Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 septembre 1899. La grève du Creusot préoccupe tout particulièrement et le gouvernement et les grands industriels. On a constaté en effet dans les centres manufacturiers des frémissements significatifs. Et les personnalités les plus compétentes sont d'accord sur ce point. Si malheureusement Monsieur Schneider venait à céder, le mouvement gréviste, arrêté pour quelques jours au Creusot, se déchaînerait rapidement à Paris et dans tous les milieux ouvriers, compromettant d'une façon irrémédiable l'achèvement en temps voulu des travaux de l'exposition de 1900. À Belgrade, un fait nouveau important vient de se produire. L'assassin, Knežević, qui avait déclaré en dernier lieu avoir agi sans aucune instigation, a fait savoir qu'il avait fait cette dernière affirmation sur les instances du capitaine de gendarmerie Georgievitch, surveillant de prison. Georgievitch avait donné un stylet à Knežević, l'exhortant à innocenter le colonel Nikolić, père de 4 enfants, ainsi que les autres instigateurs, et à se tuer ensuite, attendu que de toute façon il serait condamné à mort. Knežević a remis aux autorités le stylet qu'il gardait dans la doublure d'une de ses manches depuis plusieurs jours. Georgievitch, bosniaque, qui paraît avoir été gagné par les agents de Kara Georgievitch, a été arrêté. Il sera traduit devant le tribunal. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.